sharing love before the night was through. Something in your eyes. Coupe la musique, coupe la musique, coupe la musique, coupe. Ouais. Ambiance de merde. Alors, je suis absolument ravi d'être ici ce soir, car ce soir, je voudrais faire un double hommage. D'un côté, un hommage à Stéphane Guillon, et d'un autre côté, un hommage à la Suisse entière. Donc, je vais vous présenter un numéro d'une violence absolument extrême, mais parsemé par des moments paisibles de quiétude tout à fait helvétique. Ça va être magnifique. Pour commencer, je vais donc utiliser des outils suisses, bien entendu. Le couteau suisse. Il faut toujours tester la qualité. Ah ! Ah, merde. J'ai coupé un tendon, je crois. Et là, j'aurais besoin d'un spectateur pour m'aider qui ne risque strictement rien. Pour choisir ce spectateur, c'est très simple. Ah, excusez-moi, j'ai un truc dans la chaussure, je sais pas ce que c'est. Depuis le début, ça me gêne de... Voilà. Non mais... Excusez-moi. Oui, non, c'est gentil, mais juste pour les applaudissements, groupez-vous, pas d'initiative personnelle. Voilà, merci d'avance. Merci. Ouais, non. Ok, non, arrêtez, ça fait faux cul, là. Ça fait faux cul. Alors... C'est simple, pour choisir un spectateur, que ce soit un spectateur choisi au hasard, que ce soit pas un complice, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette pierre. Je vais la lancer dans le public, d'accord? Le spectateur survivant, le plus proche de l'impact, vient me rejoindre sur scène. C'est une espèce de principe. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Tous ceux du fond sont d'accord. Allez, vas-y. Ah, merci. Ok. Oui, c'est Bernard, c'est mon assistant, il est habillé en noir et croit que personne ne le voit. Voilà, faites comme si c'était vrai. Non, t'as raison, Bernard, tiens, on va prendre une pierre un peu plus tranchante, ça va être mieux. Allez, comme ça, on est sûr et certain qu'on voit pas. Hop! Oh, comment t'as flippé! C'est en mousse, hein, bien entendu, sinon, ça serait dangereux. Tiens, ramassez la pierre, monsieur. Voilà, ramassez la pierre, s'il vous plaît. Merci. C'est toi! Je te vois! C'est marrant parce que parfois les spectateurs tournent la tête, ils pensent qu'ils disparaissent. Je te vois très bien, ne passe pas à ton voisin. Monsieur, s'il vous plaît, comment vous appelez-vous? Michel. Oui, ben pourquoi pas. Et alors, c'est pas toi qui as choisi. Michel, s'il te plaît, lève-toi et j'aimerais que tu viennes avec tiens, un mec qui se fout un peu de toi. Tiens, monsieur, avec la veste et la cravate, là, vous venez parce que je vous vois rire. Monsieur, comment vous appelez, monsieur? Justin. La honte. Alors, Michel et Justin, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Michel et Justin. Venez avec moi. Merci beaucoup. Merci. Les autres, relaxez-vous. Relaxez-vous, hein. Vous ne montrez pas sur scène. C'est les deux seuls couillons de la soirée. Alors, Michel, venez mon Michel, venez, venez. Bienvenue, merci de vous être porté volontaire pour cette expérience. Ça me fait super plaisir de te recevoir. Michel. Et t'as vu comment il est fringué, Justin? T'as vu comment il est fringué? Tu t'es cru où, là? T'as vu comment on est habillé? Mais c'est bon. Allez, c'est pas grave, mon Michel, tu te mets là. Et vous, Justin, ravi de faire votre connaissance, mais aujourd'hui, c'est Michel la star, donc tu te calmes. Et alors, je vais juste vous demander, je vais vous emprunter votre veste, si vous voulez bien, juste retirer votre veste, s'il vous plaît. Voilà. Tu vas pécho ce soir. On va mettre la veste ici pour le moment. Alors Michel, on va faire un truc assez intéressant. Tiens, Michel, vous mettez là, et Justin, s'il vous plaît, de ce côté. Voilà. Juste un petit pas. Alors, ambiance de folie. Alors, voilà ce que je vais faire. Une cible va entrer. Faites entrer la cible. Cible que vous allez peut-être reconnaître. Oh, ça vole, ça vole. Oh, ça va, mais qui comprend comment ça marche? La cible va se passer à un endroit. Voilà ce que je vais faire. Moi, je vais lancer le couteau. Ne bouge surtout pas, Michel. Je vais lancer le couteau, d'accord? Le couteau va normalement arriver en plein cœur de la cible, au millimètre près. Si c'est le cas, le couteau va pénétrer la cible, mais va s'arrêter net à deux doigts de l'œil de Michel, d'accord? Et là, vous êtes une foule en délire, ok? Mais attendez, attendez.
Ne t'en fais pas, Michel, j'ai fait ce tour des centaines de fois, d'accord ? Ça n'a raté qu'une seule fois. Et le mec est mort, mais il était tout petit. Alors, et en plus, il était suisse. Alors, non, pas un petit suisse. Ah, ok. Non, non, mais change. La cible va changer d'espace parce que c'est quand même un petit peu dangereux, là. Oh, voilà. Alors. Non, c'est dangereux. Attends, non, je sais. Et puis, c'est trop facile parce que là, vous voyez, on voit la cible. T'as aucun réflexe. Attends, non, voilà ce qu'on va faire. Justin, vous me tenez le couteau, s'il vous plaît. Et on va voir, on va le faire au travers de votre veste. Comme ça, on est sûr et certain qu'on ne voit pas. Attends, je vais voir, t'as des choses précieuses dans la veste? Attends, t'as quoi dans ta veste? Ah, d'accord. Attendez, non, oh, oh. Non, ça va, ça va. Non, vous êtes un policier. C'est un policier, voilà. Attends, il y a d'autres trucs dans la veste. Attends. Des préservatifs. Vous êtes un policier très prudent. Ça, c'est sympa. Attends, il y a d'autres trucs. C'est quoi, ça? Ah, non, vous n'êtes pas policier. Alors, on va mettre ça là. Alors, voilà ce que vous faites. Michel, s'il vous plaît, vous tenez une manche comme ceci. Non, un peu plus haut, voilà. Non, tiens même le comme ça. Voilà, c'est très bien. Justin, s'il vous plaît, vous venez de l'autre côté, passez-moi le couteau. Et de la même manière, vous tenez votre veste. Ne passe jamais devant la star. Ok. Alors voilà ce qu'on va faire. Tiens, passez un peu devant la veste. Devant la veste, vous faites une espèce de triangle, passez un petit peu devant. Et voilà, parfait, tu mets la cible comme ça. Bon, moi, l'idée, c'est qu'avec le couteau, d'accord? Mais lâche, Bernard, lâche. Je vais passer le couteau au travers de la cible, mais au travers de la veste, d'accord? Ça, elle vaut pas trop cher, non? Ok, très bien. Donc, le couteau, la cible, la veste, d'accord? C'est très simple. Bernard, tiens, tu prends le truc? Attention, à 3. 1, 2, 3! Ah, j'ai loupé le centre. Attends. Là, bon, la veste va être moins bien, mais... Attends, mais prends le couteau, prends la veste, prends tout. Voilà. Mais j'ai dit la violence, tu peux t'enlever, Bernard. J'ai dit la violence, mais attention, j'ai dit aussi, tu vois, la douceur de la Suisse. Oh. Ok. Je ne vous sens pas très convaincu. Justin, en tout cas, vous avez cartonné. Vous pouvez retourner à votre place sous un tonnerre d'applaudissements d'une foule en délire. Voilà. Non, Michel, tu restes. C'est pas... C'est pour toi. Ok. Michel, nous, on va aller beaucoup plus loin. C'est un final. C'est une espèce d'orgasme festif de la soirée, d'accord? Michel, j'ai ici un jeu de cartes. Toutes les cartes sont différentes. Tu peux les mélanger afin qu'il n'y ait aucune gruge. Ah, on me dit, on n'a pas trop le temps. Alors, on est en direct. Faut envoyer. Donc, tu tires une carte. Non, attends, moi, je vais tirer une carte. Ok. Celle-là. Donc, il n'y a aucun moyen pour moi de savoir la carte que j'ai choisie, d'accord? Donc, on la voit bien, France 4, TSR, Comédie, tout le monde la voit bien. Michel, tu l'as choisie. Toutes les autres cartes sont différentes, Michel, d'accord? À la maison, vous pouvez vérifier. Toutes les autres cartes sont différentes, voilà. Je ne sais pas si tout le monde peut bien voir. Les pauvres, au fond, vous ferez confiance aux riches, une fois n'est pas coutume. Alors, voilà ce qu'on va faire. Ah oui, et pour finir, j'ai remis la carte, mais tu mélanges le jeu, d'accord? T'as bien travaillé, bravo. Alors, ensuite, tu vois, tu étales les cartes comme ça sur la table. On ne sait pas où est la carte. C'est ça l'idée. Et moi, ce que je vais faire, avec ton aide, Michel, tu vas me tenir le poignet. On se tutoie maintenant, on est des potes. Tu te calmes. Tu vas passer ma main comme ça au-dessus du jeu. Et quand tu le sentiras, quand tu sens que c'est la bonne carte, tu t'arrêtes. On plante le couteau. Et là, normalement... C'est la folie. Vas-y, fais passer la main, mon Michel. Oh, oh. Tu me dis quand c'est bon. Oh. C'est bon? C'est bon ici? Ok, alors, non, non, non. Tu fais que de la merde ce soir. Attends, t'as des millions de téléspectateurs. Attends, refais une fois, une dernière fois, vas-y. Vas-y, c'est bon? Comme ça? Tu prends tout ton temps, il n'y a pas de rythme dans le spectacle. C'est bon?
Bon, bah alors, franchement, Michel, alors voilà ce qu'on va faire. Non, c'est moi qui vais le faire, je vais le faire tout seul. Regarde. Attends, là, il y a une... Ah, je crois que je l'ai. Ça ! Je... Aïe. C'est ta carte ? Merci, franchement, merci. Michel, tu peux te casser. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.